Elle part d'ici. Quelle humiliation! Une femme
Et Doudou qui n'a jamais parlé fort dans ce village. Je dis pars d'ici. Elle vient, elle ramasse les choses, elle part, elle me fout au camp. Je préfère rester célibataire. Je reste célibataire. Oh, Mbouda. Je ne veux plus rien entendre. Petit frère. Laisse-moi, grand. Salut, comment laisse. Tu m'as rendu compte j'étais comme ça là. C'est l'humiliation du siècle. Ouais, avec Judith. L'humiliation du siècle. Attendez, un conseil là. Judith, ma femme se retrouve en train de coucher avec les deux doigts. Je peux m'asseoir? Assieds-toi. Ok. Tu sais, dans ce village, depuis là, moi je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Les gens d'ici ne font pas les bêtises comme ça là. Ça fait 25 ans de mariage. Tu te souviens? Je suis ton aîné de loin. Alors aujourd'hui, on parle partout, il y a les rumeurs, Judith et tout ça, et Doudoua, et Doudoua. C'est même Doudoua là, il vient gâter le village, on ne comprend pas. Alors je te donne les conseils aujourd'hui. Le problème de Judith et toi, l'adultère, est-ce que tu vois un peu? Quand tout le village va comprendre ça, Judith et toi, et Doudoua, cette femme va partir, tu vas rester seule. C'est les mêmes gens vont se moquer de toi. Je suis humilié, grand frère. Non, je dis, calme-toi, c'est pas pour le moment. C'est Doudoua lui-même va écoper, il va payer ses pots cassés. Chaque jour, et du doigt, je dis, calme-toi. Et j'ai même vu ce que je dis là, elle me disait qu'elle partait voir si c'est bonnet ou ce qu'il a, on appelle bonnet, je ne sais pas. Bon, tout ce que je peux te conseiller, pour le moment, calmez-vous, prenez votre cerceau et allez payer votre vente. Je pense que tu as compris. J'ai compris. Pour le moment, tu restes tranquille. Oui. On va voir ce problème. Et du doigt, lui-même va voir dans ce village ce qu'il cherche avec les femmes de Trouille. Tu as compris? J'ai compris. Ok, merci beaucoup. Maintenant, bon, dans la soirée, je viendrai chercher mon verre. Oui. Ok, au revoir. Maintenant, je dis pas voir Papa Boni. Papa Boni, lui-même ne peut pas accepter que sa femme se mette à coucher avec tout le monde au village. Je ne veux rien entendre. Qu'elle vienne porter ces choses pas. C'est fini. Je vais rester célibataire. C'est pour elle seule. Tout on va faire ça. Je ne peux pas me rendre petit chez moi. Parce que quand j'accouche la parle, les gens n'ont pas de parler. Nedji. Oh, Lorraine. Pas parce que tu as senti que maintenant c'est la saison cacaoyère, tu as fui la ville pour venir peut-être embrayer petit planteur d'ici là. Je ne suis pas là, tu comprends? Tu parles de quoi? Tu comprends, petit bordel? Tu es venu raconter quoi à Sakuraku? Je lui ai dit ce que j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Je te dis ce que j'ai vu. Tu as vu quoi? Hein? Tu as vu quoi? Le soleil ici me dérange même. Tu sais ce que j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu veux que je te dise? Tu as vu quoi? Tu veux savoir ce que j'ai vu, Doudoua? Tu as vu quoi? Tu parles de toi, tu vas dire. Ta bouche sur le sang de. De Judith et ta main dans son pantalon. Hein? Parce que j'ai épargné Zakoukla de ces bêtises-là. Je ne lui ai même pas dit tout ça. Fallait que je lui dise ça pour qu'elle sache vraiment qui tu es. Ma vie, ça me regarde. Ah! Tu comprends? Tu fiche-moi la bouche. Tu as compris? Tu parles de quoi là? Si j'avais accepté, tu as fait quoi? Tu me voulais non? J'amène un. T'as pas dit à refuser non? C'est la petite jalousie qui te monte dans la tête. Petit pisseur comme ça, tu allais salir mes gras. Tu m'as giflé tout à l'heure. Tu veux faire la prison? Prison de quoi? Tu as qui? Tu veux faire la prison? Tu dois laisser vous embrouiller sur les gens sur le village. Je m'en parle si tu as qui? Ngual, ni à toi, ni à nous, women. Tu sais qui j'ai, c'est moi, tu me vois ici au village, je suis en vacances. Attends, dis un peu, je suis en vacances. Tu es en vacances, tu as qui? Tu veux que... Tu as qui? Tu ne les connais même pas. C'est le commandant Zé. Parce que c'est ton nom que tu m'as... Ah, tu as entendu le nom là à la radio. Ngama, puis moi, va où mon connu agneau. Tu vas faire quoi? Mais bien sûr, du coup. Si je m'énerve, tu vas voir. Sœur. Passe, petite villageoise. Et si tu t'es encore, si j'ai entendu encore ton nom, dans ma chose, je suis ressenti. Assois-toi, ma fille. Merci d'avoir répondu à mon appel. D'avoir respecté mon âge en tant qu'aîné de ce village. Je suis l'aîné de ce village et j'ai tout vu pendant la période des Allemands. Tout ce qui s'est passé pendant la période des Anglais, j'ai vu. Le pape est né sous mes yeux. Il a été intronisé sous mes yeux. Il est mort sous mes yeux. La première guerre mondiale, sous mes yeux. Et la deuxième guerre mondiale, 39-45, sous mes yeux. Alors je t'ai appelé ma fille
pour que tu me dises la vérité. Pour qu'on parle à deux. Qu'aucune autre oreille ne nous entende. J'ai tout vu. J'ai séparé la bagarre. Alors je t'ai appelé ma fille pour que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Edudoua? Papa Boré. Oh. Qu'est-ce que moi je vais encore te dire? Tu as tout vu. Si je te dis maintenant qu'entre Edudoua et moi, il n'y a rien, toi, tu ne vas pas me croire. Donc, comme les gens disent que Edudoua, je sors avec Edudoua, moi je vais le faire, je vais le faire. Maintenant, je vais faire comme les gens veulent. Parce que je ne sais pas ce que les gens de ce village veulent. Je suis là chez moi. Ma seule compagnie, c'est Zakougla. Maintenant, elle-même se plonge dans le bain. Maintenant, Edudoua et moi, je vais le faire. Et c'est moi, je me casse. On va nous voir maintenant comme ça. En tout cas, ma fille, je ne t'ai pas appelé pour que tu me dises ça. Que tu sortes Edudoua ou pas. À ce moment, je te demande d'arrêter. Arrête dès cet instant. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je te recommande l'abstinence. Si je ne m'abstenais pas, je n'aurais pas atteint cet âge avec cette vieille calvitie. Papa, un point Boré, final. Quand toi, tu parlais d'abstinence, ça signifie que tu cautionnes ce que les gens disent. Je vais te dire que Mbouta dérange. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de Mbouta. Comme tu sais, les problèmes que j'ai eu avec mes parents pour arriver, pour venir ici chez Mbouta. Je sais. Maintenant, il ne me fait pas confiance. Et tout. Mais je dis que Edudoua et moi, nous sommes là. Okay. Je vais le faire. C'est comme si ça me dépassait. Je suis une femme. Si Zakoula est incapable d'encadrer son... Je vais le faire maintenant. Les gens, les anges du ciel ne reviendront pas pour te dire, te donner des conseils. Pour le moment, tu as respecté mon âge. Respecte aussi mon conseil. Prends ton mari en main. Laisse-moi cette affaire des deux doigts. Point final. Tu as déjà atteint ton objectif. Un point, un trait. Tu m'entends? Bon. Rentre donc à la maison. Que je n'entende plus de problèmes entre toi et Mbouta. Que je n'entende plus de problèmes entre toi et Doudoua. Tu m'entends? Papa. Au revoir, ma fille. Il a eu la chance. Il fallait que j'étais de bonne humeur. J'allais l'engueuler. C'est tout ça. Ce que ton mari vient de me faire. Qui? Ton machin, tu l'as ramassé où? Donc, Edudoua a continué à faire le boucan. Hé, hey, maman, pourquoi tu es sale comme ça? Mon ami, laisse. Oh, tu laisses ce que j'ai à faire, Edudoua. À Judith même. Ce que j'ai fait à Judith. Tu sais comment on peut pas sur la banane malaxée. J'ai malaxé Judith dans l'eau comme ça là. Les gens sont venus là où ils sortaient d'où. J'ai dit que c'est. Ah, ouais, celui des deux doigts, même quand j'arrive, le bon monsieur veut jouer au show. Moi, maman, laisse. Les ramasser avec toute la famille. Ce qu'il vient de me faire là. Il t'a fait quoi? Il a même tapé sur moi, non? Donc il continue. Parce que je suis venue te dire, laisse que j'ajoute, même je ne t'avais pas tout dit le jour là parce que je voulais te modérer. Edudoua avait la bouche sur le sein de Judith. Et sa main dans le pantalon de Judith. Voilà. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté. Mais je n'ai pas voulu te dire ça. Il t'a insulté. Oh, tu laisses! C'est mon affaire, non? Maman. Je vais montrer à Edudoua que le namboudo, ça, dit, c'est moi. Il va souffrir. Pardon, comme pardon, il pissait là maintenant, ça serait que dès qu'il me voit. Il dit que ça serait que dès qu'il me voit, les caca commencent à sortir seuls. Je vais montrer à Edudoua. Comme il t'a touché, laisse. J'étais chercher mes chaussures là-bas à la rivière, oui, je n'ai pas trouvé, il n'y a pas de problème. Comment ça se continue? Ah, Edudoua, tu es là? Ngo, pardon. Ah, Ngo, Oman. Assieds-toi. Merci d'être venu me rencontrer. Tu arrives à pic au moment où j'ai vraiment besoin de toi. Si j'ai été fait venir ici, c'est par rapport à la bagarre. Alors, je ne te demande rien. J'ai tout vécu. J'ai tout entendu.
Je connais toute la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Alors, en tant que patriarche de ce village, là où mes pères m'ont laissé, le père de ton grand-père m'a laissé ici pour traiter tous ces problèmes. Ton problème avec Judith. Que ta relation prenne fin. M'entends-tu? Papa Boni, avant de voir là où on est tombé, il faut d'abord voir là où on a cogné son pouce. Nous sommes d'accord. Parce que cette histoire même entre Judith, Ousun, mais... Ounoué. Cette histoire même entre Judith et moi, au départ même, s'il faut même voir la personne qui a fait en sorte que ça arrive jusqu'à ce niveau, c'est Zakoula. Je dis à Zakoula que je ne veux pas voir telle compagnie. Je ne veux pas voir telle compagnie. Zakoula insiste. Un jour comme ça, Zakoula m'a parlé de la relation entre Judith et moi. J'ai donc voulu montrer à Zakoula que on m'avait circoncis en plein mois de juillet. Objectif atteint, n'est-ce pas? Je ne suis même pas encore satisfait. Il faut que ça arrive à un niveau où peut-être Zakoula va voir, elle va voir comment elle est en train de sortir de la maison et que Judith soit en train d'ancrer. Si elle veut qu'elle a épousé celui de Mbouta. Dans tous les cas, tu ne peux pas me prouver que c'est ton père qui t'a donné au monde. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Suis bien mon conseil dès cet instant. Que je n'entende plus qu'il y a relation entre Judith et toi. J'ai vécu à la période de Ndjaman jusqu'à l'indépendance Cameroun. Si je ne m'abstenais pas, je ne serais pas aussi vieux que je le suis maintenant. Alors, pour que tu vieillisses comme moi, mon fils, je te demande de t'abstenir. Dans tout ce village, on parlait déjà trop de toi. Et de toi, sort telle femme, et de toi, sort telle femme, et de toi, et de toi, et de toi, tu es même qu'elle est de toi. Mon fils, écoute ce que je te dis maintenant et garde ça